Zambela, 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 Zamb
ça. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. You prepare a table before me in the presence of my adversaries. Tu oins d'huile ma tête. You anoint my head with oil. Et ma coupe déborde. And my cup runs over. Psaume 23, verset 5. Psalms 23, verse 5. Nous ajoutons 1 Samuel. We're going to add first book of Samuel. Là où nous avait enseigné la fois dernière. Where we were taught last time. 1 Samuel 11, verset 4. 1 Samuel chapter 11, verse 4. Je descends jusqu'au 7e, il est écrit. Reading down to verse 7, it is written. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. So the messengers came to Gibeah of Saul and told the news to the hearing of the people. And all the people lifted up their voices and wept. Et voici Saül revenait des champs derrière Sebé. Il dit, quand donc le peuple pour pleurer, on lui raconta ce qu'avait dit c'est déjà dit. Now there was Saul coming behind the herd from the field. And Saul said, what troubles the people that they weep? And they told him the words of the men of Jabez. Dès que Saül y attendit ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Then the Spirit of God came upon Saul when he heard this news, and his anger was greatly aroused. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tous les territoires d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ce bœuf traité de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui s'est mis en marche comme un seul homme. So he took a yoke of oxen and cut them in pieces and sent them throughout all the territory of Israel by the hands of messengers, saying, whoever does not go out with Saul and Samuel to battle, so it shall be done to his oxen. And the fear of the Lord fell on the people, and they came out with one consent. Voudrez-vous ajouter 1 Roi chapitre 19? 1 King chapter 19, verset 19 jusqu'au 21e verset, il est écrit. Verse 19 to 21, it is written. Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e, et il s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. So he departed from there, and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he was with the 12. Then Elijah passed behind him and threw his mantle on him. Verset 21. Verse 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. So Elisha turned back from him and took a yoke of oxen and slaughtered them and boiled their flesh. L'attelage bœuf, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis s'éleva, suivit Élie, et fit à son service. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Using the oxen equipment, he gave to the people and they ate. Then he arose and followed Elijah and became his servant. May God add explanation to the reading of his scripture. Et je reprends, que le Seigneur vous bénisse. And I repeat, may God bless you. Je ne sais pas si je vais vous enseigner aujourd'hui. I don't know if I'm going to teach you today. Peut-être une exhortation. Maybe an exhortation. Un enseignement. Or a teaching. Une prédication. Or a preaching. Pour compris. So that we can pray. Depuis le dimanche passé, j'ai expliqué, tu dresses une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Since last Sunday, I've explained that you prepared a table in front of me in the presence of my enemy, you anoint my head with oil
and my cup runs over. Et nous étions bénis par l'intervention de bien-aimé Mike. And we were blessed with the intervention of our beloved Mike. Qui nous a vraiment édifié. Who indeed edified us. On a passé aussi une semaine pleine d'onction, pleine de grâce. And we went through a week of anointing and graces. À la fin de la prédication de dimanche passé, j'insistais sur la soif que les gens doivent avoir devant le Seigneur. Last Sunday, at the end of my preaching, I insisted on the thirst that people had to have for the Spirit of God. Aujourd'hui, je reviens sur le même message, mais dans une autre forme, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. And today, I'm coming back with the same message, but in a different form, because God speaks in one way or in another. Et je demande aux gens qui se servent de téléphone pour filmer, j'aimerais qu'à la fin de la prédication, vous n'arrêtez pas, parce qu'à la prière, je vais prier aussi pour les gens qui nous suivent partout, parce que je veux réellement que nous entrons dans la dimension spirituelle. And I'm going to inform those who are filming the sermon not to stop after the preaching, but they should continue because I also have to pray for the people. Comment vivre dans ce monde rempli d'injustice? How to live in this world filled with injustice? De corruption. With corruption. Des ennemis. With enemies. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. If you are not filled with the Holy Spirit. Je dois vous rappeler que la vie de l'homme est remplie de questions qui ne peuvent pas se terminer. And I want to remind you that the life of a man is filled with questions that can never end. Questions pour nos propres vies. Questions about our own lives. Questions pour le monde que nous vivons. Questions about the life in the world in which we are living. Questions sur les circonstances que nous traversons. Questions about the circumstances that we are going through. Chacun de nous a des questions. Each dans one son of cœur. Us has questions in his heart. Même les prières que nous faisons, ce sont des questions que nous nous posons. And even prayers that we make are questions that we do ask. La terre, le monde, l'humanité a des questions que elle-même ne peut pas répondre. The world, mankind, have questions that themselves cannot answer. Dans le monde, il y a des sciences naturelles et sciences humaines. Toutes ces choses sont inventées pour répondre aux questions de l'homme, mais l'homme est incapable de répondre à ces questions. In the world, we found the different sciences, and all of that are only to answer to the main questions. But with all that, still the man cannot find an answer. Je ne sais pas combien de personnes parmi nous ce matin ont aussi des questions dans leur cœur. And I don't know how many among us this morning also have questions in their hearts. Il a prié. Il n'y a pas de réponse. He prayed, no answer. Il a gêné, il n'y a pas de solution. No solution. Il a semé, rien ne marche. He saw, but nothing is working. Il a espéré avoir la réponse du Seigneur, mais rien n'a marché. Hoping to receive an answer from the Lord, but nothing is working. Beaucoup de gens vivent dans la désolation. And many people are living in despair. Ils viennent à l'église peut-être par habitude. They are coming maybe to church by habit. Ils viennent peut-être parce que le docteur Jason va me chercher. They are coming maybe because the teacher is going to look for me. Tant que je prêche ici, il y a des gens qui ont des questions dans leur cœur. And as I am preaching, there are people with questions in their heart. Ils pleurent. They are crying. Tu le vois comme ça, sœur, mais dans son cœur, rempli de questions. You can look at the person, a sister or brother, but in their heart, filled with questions. Ce message est pour vous ce matin. And the message is for you this morning. Ce message est la réponse à toutes vos questions. And this message is the answer to all your questions. Vous pouvez vous poser des questions, mais vous n'avez pas de réponse. You can ask questions, but you cannot have answers. Parce que vous ne savez pas. Because you do not know. Pourquoi vous existez? Why you exist? Comment est-ce que vous êtes venu dans le monde? How you came into the world? Je suis venu vous dire ce matin. And I came to tell you this morning. Vous n'êtes pas le fruit d'hasard. You are not by mistake. Vous n'êtes pas le fruit de vos parents. You are not the fruit or the result of your parents. Vous n'existez pas parce que les parents ont voulu que vous existiez. You do not exist because your parents wanted you to exist. Mais vous existez par la volonté du Seigneur. But you exist by the will of the Lord. Il y a des gens. There are people qui n'ont pas voulu que vous existiez. Who did not want you to exist. Peut-être les autres. Maybe others. Les parents se sont posés des questions. The parents did ask questions. Tu es grosse. Oh. You fall pregnant. How? Sans l'enfant. Okay, let's leave the kid. Oui, tu n'es pas la volonté de l'homme, mais la volonté yes, de Dieu. You know the will of a man, but the will of God. Est-ce que tu crois comme ça? Do you believe so? Tu es
Tu crois ce message comme ça? Do you believe in this message? Et tu n'es pas à Cape Town parce que tu l'as voulu. You are not in Cape Town because you wanted. Tu n'es pas ici ce matin parce que tu l'as voulu. You are not here this morning because you wanted to be here. C'est la grâce du Seigneur. It's the grace of the Et Lord. Ce Dieu-là And this God a des réponses pour ta vie. Has answers for your life. Des réponses pour tes questions. Answers to your questions. Oui, je crois que chacun de nous, dans son cœur, il croit que Dieu peut répondre à ces questions, n'est-ce pas? I believe each one of us in his heart believes that God can answer his questions. Vous croyez aussi comme cela, non? Do you believe as well? I believe. Je ne vous empêche pas de vous poser des questions, mais la réponse ne vous appartient pas. La réponse appartient au Dieu. I'm not stopping you from asking questions, but the answer does not belong to you, but belongs to God. Mais quand vous voyez des gens se poser des questions, When you see people asking themselves questions after questions, c'est qu'il manque quelque chose. Meaning they are lacking something. C'est la chose que je suis venu vous enseigner ce matin. And it is the thing that I came to teach you this morning. Si vous voyez une église remplie de questions, if you see a church filled with questions, je réfléchis sur la communauté où que j'appartiens. I'm thinking about the community in which I belong. Comment après avoir enseigné quarantaine d'années, les gens sont capables d'expliquer le diaconat et aujourd'hui dans les Facebook, dans les réseaux sociaux, on parle de diaconat, diaconesse, servante, diacre. Je me pose la question, si ces questions-là persistent, il y a quelque chose qui manque. After preaching for more than 40 years, yet I can see in our community people, they are going on social media debating about the deacons, servants, a female deacons, and I'm asking myself if there are those questions, there's something that is lacking. Le Saint-Esprit ne peut pas inspirer au du prédicateur 10 révélations différentes, 10 doctrines différentes qui se contredisent. Disons-nous la vérité. D'autres enseignements ne sont pas les produits du Saint-Esprit, mais ce sont des produits de recherche, de réflexion, parce que le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Because let's ask ourselves questions. How come in the one church or community, one single spirit, but is giving 10 different inspiration, revelation, teachings or doctrine to 10 different preachers? Maybe somehow among those teachings, some of it are not the fruit or inspirations from the Holy Spirit. Si l'inspiration que Dr. Jason prêche vient de Dieu, que Jean-Willy prêche vient de Dieu, que Presse prêche vient de Dieu, que Dali prêche vient de Dieu, que Robert prêche vient de Dieu, il ne peut pas se contredire parce que c'est la même source, la même inspiration. Mais s'il y a des contradictions, on doit se poser des questions. D'où est l'origine de ces inspirations? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien c'est la chair? Parce que c'est dans la chair qu'il y a des théories qui contredisent l'autre théorie. Auguste Comte contredit, Karl Marx contredit. Je ne veux pas que l'évangile soit les théories des hommes, mais que l'évangile soit l'explication du Saint-Esprit. Because I'm wondering, how come in our church, with all the ministers that we have, the very same spirit inspires to one, a different teaching to another, and then they start going against one another. Maybe it's not the inspiration of the Holy Spirit, because those things we found it in the flesh, where we see one having a theory which goes against the theory of another. Si dans l'église, if in the church, je suis incapable d'aimer Prince, je suis incapable d'aimer Jason, je suis incapable de marcher avec Robert, je suis incapable de marcher avec John. Le Saint-Esprit n'est pas dans cette église. The Holy Spirit is not in that church. Et si l'église commence à remarquer, and if the church can stop to discover, les ministres ne s'attendent pas. No, ministers do not agree to one another. Christelle est contre Jedida. No, Christelle est contre Jedida. C'est la chair qui domine, c'est pas le Saint-Esprit. N'attendez pas la grâce de Dieu. Dieu ne peut pas accompagner la chair ni la philosophie des hommes. Mais Dieu accompagne le message ouin, les hommes ouin du Saint-Esprit. Parce que Hébreux chapitre 2 dit, Dieu, God cannot accompany the flesh. Dieu ne peut pas accompagner la chair. God cannot accompany the flesh. Je vais lire un verset. I'm going to read the verse. Vous le voulez aussi? I hope you also want it. Vous le voulez aussi? I believe you also want the same thing. Je lis ce verset. I'm going to read the verse.
Vous allez comprendre que beaucoup d'églises, ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige, ce sont des hommes. You're going to understand that many churches, it's not the Holy Spirit who's ruling, but men. Oh, je suis venu vous prêcher un message très simple, très important sur le baptême du Saint-Esprit. I came to teach you a very simple, important message upon the baptism of the Holy Spirit. Chapitre 2, verset 4. Hebrews chapter 2, verse 4. J'aime ce verset. I love this verse. J'aime ce verset. I love this verse. Bien que je n'ai pas ma traduction ici. Though I do not have my translation here. Mais la traduction ici dit comme ça. But this is what this translation says. Dieu appuya leur témoignage par des signes. God also bearing witness both with signs. Une traduction dit ceci. Another translation says, Dieu témoignait. God also bearing witness. Dieu confirmait. God was confirming leur témoignage. Their witness. J'ai besoin que quand je prêche, après ma prédication, que Dieu vienne appuyer le témoignage que j'ai donné. I love after preaching, God to come and confirm with signs the testimony I've given. Le texte dit, the scripture Dieu says, appuya leur témoignage par des signes. God also bearing witness both with signs, the prodiges and wonders, the divers miracles, with various miracles, par les dons du Saint-Esprit, and gifts of the Holy Spirit. Donc sans le Saint-Esprit, without the Holy Spirit, il n'y a pas l'accompagnement de Dieu dans tout ce que nous faisons. There is no God's accompanying in whatever we are doing. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Je commence ma prédication. Je ne sais pas si je vais prêcher aujourd'hui combien d'heures. Vous allez me supporter. I'm starting parce que je vais prêcher, enseigner. I don't know how many minutes am I going to preach because I'm going to preach and teach. Si je me fatigue, je vais demander la chaise et je m'assois. And if I get tired, I'm going to ask for a chair. I'm going to sit. Peut-être ça sera le discours de Paul. Maybe it's going to be the discourse or speech of Paul. Parce que je dois quand même vous enseigner. Because I believe I have to teach you. Aussi. Exalt and preach you. Vous ne voulez pas comme ça? Don't you want the same? Voilà pourquoi je suis à l'aise. Reason why I'm at ease. J'ai demandé à Dr. C, ces gens-là vont venir, ils ne vont pas venir pour battre Kabissonan. Parce qu'aujourd'hui, je vais être un peu à l'aise. Amen. If those people that come after us, they need to give us some time because I want to be at ease. Tu dresses une table en face de mes adversaires. You prepare a table in front of me in the presence of my enemies. Je ne reviens pas sur ça. And I do not come back on tu that. Tu oint ma tête. You anoint my head with oil. Dieu sait que God knows that la brebis est faible. The sheep is weak. Elle ne peut pas traverser l'adversité. Cannot cross adversity. Sans l'huile sur sa tête. Without oil upon his head. Dieu sait que tu es faible. God knows that you are weak. Tu ne peux pas supporter les critiques. You cannot bear criticism. J'ai suivi quelqu'un qui a fait tout un enseignement sur moi. I followed someone who made an entire teaching for the prophet. Je ne peux pas passer pour lui répondre. I cannot come and start to answer that person. Il y a des gens qui peuvent te critiquer sur les choses que tu ne connais même pas. There are people who can even criticize you on things that or matters that you do not know. Même dans l'église. Even at church. Docteur Jason peut être pasteur, mais quelqu'un ici ne l'aime pas. Teacher can be the pastor, but someone yet does not love him. S'il n'a pas le Saint-Esprit, if he does not have the Holy Spirit, lui aussi ne va pas aimer ça. He also is not going to love that person. Mais s'il y a le Saint-Esprit, but if there is the Holy il Spirit, va l'aimer quel que soit ses critiques. He is going to love him regardless of the criticism. Et le Saint-Esprit, and the Holy Spirit, il verra que ce frère ou cette sœur la comprenne. Will enlighten that the brother or sister to understand. J'aime dire quelques mots avec le Saint-Esprit que 10,000 mots avec la connaissance. I prefer to say a few words with the Holy Spirit, but than 1,000 words with knowledge only. Je vous rappelle qu'il y a l'adversité. I'm reminding you that we have adversity. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I shall not want. Il me conduit dans les verts pâturages. He leads me in green pasture. Dans les eaux paisibles. In still waters. Il restaure mon âme. He restores my soul. Ça c'est l'Éternel qui fait. That's the Lord who's doing it. The Lord, mon berger. My shepherd. L'Éternel. The Lord me conduit. Leads. L'Éternel. The Lord me nourrit. Feeds. L'Éternel. The Lord me restaure. Restores me. C'est une étape. That's one stage. Tu ne continueras pas dans la vie chrétienne toujours comme ça. But your Christian life cannot go
continue like that, sinon tu vas pas croître. Otherwise, you're not going to grow up. L'Éternel qui est mon berger, the Lord who's my shepherd, l'Éternel qui a restauré mon âme, the Lord who restores my soul, l'Éternel les eaux paisibles, the Lord will lead me in the still waters. Mais l'Éternel va te laisser. But the Lord will leave you. Quand je traverse la vallée de l'ombre de... Où est l'Éternel? When I go through the valley of the shadow of death, où est l'Éternel? Where is the Lord? Où est l'Éternel? Where is the Lord? Il est mon berger. He's my shepherd. Il m'a restauré. He restored me. Il m'a conduit. He has led me. Mais quand il me laisse seul, but when he leaves me alone, et David dit quand je traverse la vallée, and David says that when I go through the valley, l'Éternel a terminé son œuvre. The Lord has ended his work. Il me laisse aussi avancer. And he leaves me to move on. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. And that's what God does in our lives. Tu fais ça, ça marche. You do this, fais ça, it's working. You do that, it's working. You do another, it's working. Là, tu es encore bébé. Then you are still a babe. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. I shall not want. Là, tu es bébé. You are still a baby. Tout ce que tu fais, everything you are doing, il est là pour te garder. He is there to guide you. Mais il ne te laissera pas toujours comme ça. But that's not how he's going to leave you forever. Otherwise, you're not going to grow up. Il te laisse aussi. He has to leave you as well. Oh, les mamans connaissent. Yeah. And the mother knows what I'm saying. Quand une maman est bébé, when a child is a baby, whenever the child cries, the mother comes. Elle allait, the mother breastfeed. Mais chère maman, vous n'allez pas continuer à l'aider. But en dear mother, you're not going to continue to non! Be with the child for c'est pas normal. That way. It's not normal. Un temps, vous allez aussi le laisser. At a certain time, you're going to leave the child. Quand vous le laissez, cela ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. When you leave the child, it's not that you don't love him anymore. Essaye de marcher. No, try to walk. Essaye. Try. Tu l'aides. You try to help the child. Tu l'aides. You try to help the child. Dis qu'il est no, let him be. Il essaie. He tries on his own. Il tombe. He falls. Il s'élève. Il tombe. He falls. C'est comme ça avec Dieu. And that's the same with God. Dieu marche aussi comme ça avec nous. That's how God works with us. Il nous facilite. He makes things easy. Il nous laisse. But for a time he leaves vous us. Vous croyez aussi comme ça? Do you believe? Vous croyez aussi comme ça? Do you believe? Oh, si tu veux rester bébé, if you want to remain a baby, tu n'iras pas loin avec Dieu. You're not going to go tu far. Tu ne vas pas courir. You're not going to grow or run. Il y a des fois Dieu permettra there are times when God will que les choses deviennent très difficiles. For things to become very difficult. Oh David, David, tu dresses une table. You prepare a table. Qui dresse la table? Who's preparing the table? L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Là il m'a nourri. There he fed me. Mais ici, but here, il compte sur l'esprit qu'il a versé sur moi. He counts upon the spirit that he has poured upon me. Mais bien aimé, ça le Saint-Esprit. Beloved, we fought the Holy Spirit. You're not going to overcome the world. Because if you try to understand the world with your flesh, you're never going to understand. Tu n'as jamais vu quelqu'un? Haven't you seen someone? You said nothing to the person. Just a look. No, they call you in the office. Apôtre, Apostle Prince. Je ne comprends pas cette scène. I don't understand that sister. Quand il m'a regardé, the way he looked at me, hein? He was staring at qu'est-ce me. Qu'est-ce que ça fait? No! What did he do? J'avais vu une vision la nuit. No, I saw a vision at night. Quand le diable veut te combattre, when the devil want to fight il va arranger you, les histoires he's going to prepare pour que tu sois scandalisé. For you to be scandalized. Tel que tu es là, il y a des gens qui t'ont vu comme sorcier. As you are there, there are people who have seen you as a mais wizard. Tu n'es pas sorcier. But you are not a wizard. You talk with the person very nice. Comment vivre dans ce monde sans le Saint-Esprit? How to live in this world without the Holy Spirit? Comment aimer les gens sans le Saint-Esprit? How to love people without the Holy Spirit? Comment avancer sans le Saint-Esprit? How to move without the Holy Spirit? Je suis venu vous dire que sans le Saint-Esprit nous sommes faibles. I came to tell you without the Holy Spirit we are weak. Je peux continuer, hein? Can I carry on? Je veux maintenant enseigner. I want to teach now. C'est comme ça que this is how je parle là où le pasteur Silas nous avait enseigné. I'm going back to where Pastor Silas taught us. Parce qu'il y a les adversaires. Because we have adversity. Israël aussi avait un adversaire. Israel also had an enemy. Qui est venu l'assiéger. That came to besiege them. Je n'ai pas vraiment le temps d'enseigner ça. And I do not have time to teach about all that. Nous étions déjà enseignés.
But we were already told about it. Quelque chose. But I'm going to pull something out of it. Et Israël était assiégé. Israel was besieged. Tu ne peux pas empêcher le diable de te combattre. You cannot prevent the devil to fight against you. Il y a aucune prière. There is no prayer. Où tu diras démon arrête-toi. Where you're going to say demon stop. Il changera toujours de stratégie pour te troubler. He's going to change the strategies to trouble you. Il faut être préparé. And you need to be prepared. Ce message c'est pour vous armer à faire face aux ennemis. And this message is to give you weapons for you to face the enemy. Maintenant, le roi Nahash dit ceci. Now the king Nahash says this. Il vient. He comes. Il a assujetti la ville de Jabez. He besieged the city of Jabez, surrounds the city. Quand il a assujetti. And after subduing them, il a limité tes mouvements. Meaning he has limited your movement. Tu ne peux pas sortir. You cannot go out. Tu ne peux pas entrer. You cannot come in. Parce qu'il t'a assiégé. Because he has besieged. Surround you. Il y a question de quoi? Now what is the question? Le peuple dit, the people says, nous sommes faibles. We are weak. Fais seulement l'alliance avec. Just make a covenant with us. Alors, then, finira le combat. We're going to put an end to Je the battle. Dire que ne cherche pas la facilité dans le combat avec le diable. Do not look for easy ways in your battle with the devil. Ne cherchez pas la facilité dans ce monde. Do not look for shortcuts in this world. Si tu es vainqueur, if you are a winner, tu vas vaincre. You are going to win. Tu vas entrer dans les promesses, dans la victoire. You are going to enter your promises in victory. Non dans des alliances. Not in covenant. Voilà ce qui a été fait. And now this is what happened. Le peuple a commencé à pleurer. The people started to mourn, to weep. Pourquoi ils pleuraient? Why they were mourning? Parce qu'en devant d'eux, il y avait Nahash. Because in front of them was the king of the Ammonites, Nahash. Je dois vous rappeler qu'Israël avait des sacrificateurs. And I want to remind you that Israel had a priest. Israël, c'était le peuple de Dieu. Israel was the people of God. Il avait la loi. They had the law. Mais toutes ces choses ne pouvaient pas les délivrer. But all those things could not deliver them. Israël, c'était un peuple qui a la connaissance. And Israel was a people with knowledge. Nous sommes Israël. We are Israel. Tu verras des Philistins. In front of us, there are Philistines. Ça, c'est Bitulukou. No, this is Bitulukou. Ça, c'est Bitulukou. This is Aramite church. Ammonite. This is Ammonite. Ça, Philistins. This is Philistines. Ça, Jébusien. This is Jébusien. Vous avez la connaissance. They had the knowledge. Mais cette connaissance n'a pas empêché les diables de venir les assiéger. And that knowledge did not prevent the devil to come and besiege them. Ta connaissance seul ne suffit pas. Your knowledge alone is not sufficient. Le nom de l'assemblée des saints ne suffit pas. The name assembly of saints is not sufficient. Ils étaient aussi Israël. They were also Israel. Ils avaient la connaissance. They had the knowledge. Mais cela ne suffit pas. But that was not sufficient. Est-ce que vous m'entendez? Do you hear me? Je vous ai beaucoup enseigné. I taught you a lot. Je vous enseignerai encore. And I will be teaching you. Les ministres d'ici présent vous enseignent. And ministers here. Mais cela ne suffit pas. But that's not sufficient. Tu ne vas pas vaincre le diable avec Jean chapitre 20. You're not going to overcome the devil coming with the scripture, John chapter 20. Quand le diable vient, tu dis. When the devil comes, you say. Il est écrit. No, it is written. Tu aimeras. Non. You're going to laugh. No. Pas seulement ça. It's not only that. Il faut une puissance. You need the power. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Les gens sont conscients. And people are conscient here. Que ses enfants sont combattus. That his children sa are fought against. Combattue. His own life is fought against. Mais il ne cherche pas la force. But don't seek for strength. Israël a pleuré. Israel cried. Il a pleuré. He cried. Il a pleuré. He cried. Ils ont dit bon. Okay, they say fine. Nous allons chercher les messages. Quelqu'un qui peut venir nous sauver. We're going to look for someone to save us. Oui, les gens ont commencé à pleurer. Because people started to cry. Regardez au tableau s'il vous plaît. Now look on the board. J'explique le premier temps. I'm explaining the first time. C'est le temps de pleurs. Is the time of mourning or crying. Pourquoi le temps de pleurs? Why time of tears or crying? Parce qu'il n'y a pas un libérateur. Because there is no deliverer. Parce qu'il n'y a pas un sauveur. There is no savior. Mais j'aime ce verset. But I love this verse.
On peut relire, s'il vous plaît. We can read it again. On peut relire ce verset. We can read again this verse. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je vais enseigner, prêcher. I told you today I'm going to teach and preach. Parce que ça peut être le discours de Paul. Because it can be the speech of Paul. 1 Samuel 11 verset 4. 1 Samuel 11 chapter, I mean verse 4. Les messagers arrivèrent à Gibeah de Saül. So the messengers came to Gibeah of Saul. Et dirent ces choses aux oreilles du peuple. And told this news in the hearing of the people. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Pourquoi ils pleuraient? All the people lifted up their voices and wept. Why they were weeping? Pourquoi ils pleuraient? Why they were weeping, crying? Ils pouvaient aussi dire, they could also say, nous avons le sacrificateur. We do have the priest. Nous avons la loi. We have the law. Mais pourquoi ils pleuraient? But why the people were crying? Ils pleuraient parce qu'ils étaient incapables. They were crying because they were unable de faire face aux adversaires. To face the enemy. Mais j'aime le Seigneur. But I love the Lord. Le texte dit ceci. The scripture says this. Dès que Saül attendit ces choses. Now when Saul heard these matters. Ça dit que c'est Christ. Meaning this Christ. C'était le cri de plusieurs. It was Christ of many. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Pourquoi on dit que? Why are they saying? Pourquoi le texte dit? What the scripture dès que Saül attendit ces choses. Now when Saul heard this news. Je vous pose la question. I'm asking you the question. Est-ce que Saül était le premier à attendre ce bruit? Was Saul the first to hear these noises? Je vous pose la question. I'm asking you the question. Was Saul the first to hear these je news? Je réponds moi-même. And I'm answering to myself. Ils ont commencé à chercher. They were seeking. Il y en a cherché là-bas. There's il y en a cherché là-bas. There's not tous ceux qui écoutaient n'attendaient rien. Everyone that was hearing was, I mean, listening to the news, heard nothing. Si j'attends, if I hear, quoi? What? Il y a un ennemi. Enemy. Il pleure. He cried. Quand il a when the next one here, personne n'avait attendu. No one heard. Mais quand Saul attendit. But when Saul heard the news. Quand Saul attendit. When Saul heard the news. Je réponds. Quand Saul attendit. When Saul heard the news. Quand Saul attendit. When Saul heard il the news. Il ne dit pas. He does not say, je suis roi. I am king. On n'a pas besoin maintenant du roi. We don't need the king. Il ne dit pas. He does not say. Nous sommes Israël, frères. Israel, beloved. Devant les sorciers, vous n'allez pas dire. In front of us, we said, you're not going to say. Que nous avons l'évangile éternel. No, the wizard knows that we do have the gospel. That says nothing. Devant des maladies, vous n'allez pas dire. He says, you're not going to say. Nous avons la sainte doctrine. No. We have the sound doctrine. No. Ça ne va pas chasser les malades. That won't chase away sicknesses. Ça ne va pas délivrer. It's not going to deliver. Mais il y a quelque chose. But there is something. Le texte dit. The scripture says. Dès que Saül attendit ces choses. When Saul heard this news. Il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Then the Spirit of God came upon him. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Ça dit. Bien qu'il était roi. Though he was king. Mais quand il attendit ces choses. But when he heard. This news, je comprends. I then understood. Dans leur cri, in the cry or weeping, la réponse, the answer, était Saül. Was Saul. Qui est Saül? And who Saul? C'est le roi. Saul is the mais king. Mais quel roi? But quel roi? But who? Which king? Roi ouin. An anointed king. Donc si le roi n'a pas l'onction, if the king does not have the anointing, si le roi n'a pas le Saint-Esprit, if the king does not have the Holy Spirit, il peut attendre, he can hear the news, il n'aura pas de réponse. But not be able to give an answer. Quand Saül attendit ces when choses, Saul heard this news, je veux vous rappeler une chose. I want to remind you something. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. J'explique seulement l'écriture comme ça, je vais prêcher. I'm only explaining the scripture, then I'm going to preach. Il attendit ces choses où? When did he hear these things? Verset 5. Verse 5. Voici Saul revenait des champs. Now there was Saul coming behind the herd. Derrière ce bœuf. Yeah, coming behind the herd from the field. Regardez mon tableau, s'il vous plaît. Look at the board. J'explique premier temps. I'm explaining the first time. C'est le temps de pleurs. It's the time of tears, weeping. Quelle est la position de Saül? And what is the position of Saul? Saul est ici. Saul is here. Où se trouve le bœuf? Where are the herd? Je vais où se trouve le bœuf. Where are the herd? Très bien. Les bœufs sont là-bas. Regardez les bœufs. The herd are in front.
C'est écrit comme ça, mais moi je vais vous donner le nombre de bœufs. It is written in this manner, but I'm going to give you the number of the oxen. Et où était Saül? And where was Saul? Le bœuf était là. The oxen were there. Saul était devant ou derrière le bœuf? And Saul was in front or behind. Il était où? Where was he? Derrière le bœuf. Behind the herd. Mais quand il a attendu, but when he heard, il n'était plus derrière. He was no longer behind. Devient devant. He became in front. Maintenant, qui est derrière? Now who's behind? Qui était derrière? Who was behind? Qui était derrière? Who was behind? Qui est devant? Now who's in front? Qui est devant? Who's in front? Qui est derrière? Who's behind? Mais qui est devant le bœuf maintenant? Who's behind the herd of oxen? Qui était derrière le bœuf? Who was behind the oxen? Donc, celui qui est devant, the one who's in front, c'est celui qui était derrière. Is the same who was at the back or behind? Qui est devant le bœuf? Who's in front of the oxen? C'est celui qui était derrière. Is the one who was behind? Qui est devant le bœuf? Who's in front? C'est celui qui était derrière le bœuf. Is the one who was behind? Mais il a attendu quand? But when did he hear? Quand il est sorti derrière le bœuf? When he came behind the c'est herd, alors qu'il attend. That's when he heard. Mais quand il était derrière le bœuf? But when he was behind, il ne pouvait herd, pas attendre. He could not hear. Donc pour délivrer, for him to deliver, il faut laisser le bœuf. You need to leave the herd or et the ox. Passer devant le bœuf. And come in front. Do you hear? Le frère de David dit ceci. This is what the brothers of David say. Tu as laissé ton troupeau, ton petit troupeau dans le désert. You have left the few flocks of the father. Tu es venu assister au combat. And you came to witness the battle. Donc quand Goliath criait, when Goliath was où était David? Where was David? Derrière le troupeau. David was behind the flock. Mais pour délivrer, but to deliver, il faut qu'il passe devant le troupeau. He has to come in front of the flocks. Amen. Do you hear that? Où était Moïse? Where was Moses? Derrière le troupeau. He was behind the flocks. Mais quand il l'appelle, but when God il laisse le troupeau, he il vient devant le troupeau. He comes in front of the flocks. Amen. Vous retenez ça? Do you keep that? Mais je vais encore avancer pour vous faire comprendre ceci. I can even go beyond to make you understand this. Donc Saül so, n'était pas seulement derrière le bœuf, was not only behind the il était aussi derrière le bagage. He was also behind the luggages. Ça devient compliqué. Hein? It becomes complicated. Avant de sortir, before coming out, Saul était derrière le bagage. Saul was behind the luggage. Quand il sort, when he comes out, il est proclamé roi. He is proclaimed king. Mais pour délivrer, but to deliver, on le voit derrière le bœuf. We see behind mais the qu'il sorte, I mean the herds, and he has to come out. Strictement interdit de raisonner par les Écritures. Strictly forbidden to think about the scripture. Les Écritures s'expliquent elles-mêmes. Because the scripture do explain itself. L'Éternel appelle Élie. Il dit, the Lord calls Elijah and says, va oindre Élisée. Go and anoint Elisha. Quand il part, and when he goes, il trouve Élisée. He found Elisha derrière le bœuf. Behind the herd. Ça dit, Élisée était derrière le bœuf. Elisha was behind the oxen. Quand Élie jette le manteau, and when Elijah throw his mantle, Élisée sort derrière le bœuf. Elisha comes out of being behind. Il passe devant Élie. He comes in front. Le rencontre. And meets with Elijah. Et il prend les deux paires de bœufs. And he takes the two yoke. Il prend les bœufs plutôt paires de bœufs. He takes the two yoke. Qu'est-ce que Saul fait ici? What the Saul did? C'est la répétition de ce qu'Élisée avait fait. It's the repetition of what Elisha did. Donc pour suivre Élie, to follow Elijah, tu as besoin de prendre paire de bœufs. You need to take a yoke of oxen. Yes. C'est ce que je suis venu vous enseigner. And this is what I came to teach you. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord Jesus bless you. Ça sera très simple. It's going to be simple. J'enseigne dans quelques minutes. I'm going to teach in few minutes. Et après cela, je vais vous prêcher. And then I'm going to preach. Et vous exhorter. And all exhort. J'explique les Écritures. I'm explaining the scriptures. Nous avons compris que we understood that cela cachait le plan de la rédemption. All this was hiding the plan of redemption. J'ai aimé les yeux que le bien-aimé Mike avait pour expliquer ces choses. I love the eyes that the brother Mike had to explain this thing. Quand il y a les pleurs, when they are crying, quand il y a les cris, when they are crying, on ne cherche pas deux personnes. You don't look for
two people, ni trois personnes, or three, il n'y a qu'un seul, there is only one, qui peut répondre au cri du peuple. Who can answer to the cry of voilà pourquoi quand Jean pleurait, therefore, when John, Jean représentait les pleurs de l'humanité tout entière. John was representing the cries of the mankind. Et quand Jean pleurait, and when John was crying, personne n'était digne de délivrer. Pourquoi? No one was found worthy to deliver. Why? Dieu cherchait, God was looking, qui pouvait sortir, who was able to come, passer out devant, and come in front, et personne. And no one was found. Qui est digne, who is worthy, de prendre le livre, to take the book, et de remplir cette sceau. Dieu est assis sur le trône. Lord God is set on the throne. Il a le livre dans sa main droite. Yes, the book in his right. Donc pour récupérer le livre, to take the book, il faut que celui qui vient, the one who's coming, que sa main gauche, his left hand, soit égale à la main droite de celui qui est assis. Be equal to the right hand of the one who's seated. Donc celui qui est assis, the one who's seated, sa main droite est comme ça. His right hand is here. Celui qui vient, and the one who comes, ne doit pas venir avec la main droite. Does not have to come with the right hand. Ne doit venir avec la main gauche pour répondre à la main droite. With the left hand to answer to the right hand. Donc Dieu cherchait gauche pour répondre à droite. God was looking for a left to answer to the right hand. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless. Donc Dieu cherchait, God was looking, qui pouvait répondre à sa force. Who was able to answer to his prayer? And no one was found. Personne dans les cieux. No one in heaven. Ni sur la terre. No one on earth. C'est alors que Jean commençait à pleurer. Then John started to cry. Le temps de pleurs. The time of cries. C'est le temps où. Is the time whereby. Saul est derrière le bœuf. Saul is behind the oxen. Quelqu'un attend que j'explique ce mouvement-là. Vous voulez and someone ça? Is waiting for me to explain this movement. Vous ne voulez pas l'explication de ça? Don't you want an explanation? Vous le voulez? I believe you want. Christ ne peut pas revenir maintenant. Il faut qu'il attende que je termine l'explication. Christ alors s'il peut revenir, qu'il revienne, mais qu'il attende l'explication. If he wants to come, he can come, but he has to wait for the explanation to finish. En réalité, in reality, quand ces gens-là pleuraient, when these people were crying, personne n'était digne. No one was worthy. Mais qui est-il? Now who's worthy? Saul. Saul. Parce que c'est lui le roi. Because he's the king. Dieu s'était répété. And God only repeats himself. Alors j'explique ceci. And I'm explaining this. Là, je ne réfléchis pas. And I'm not thinking. Je ne raisonne pas. Those are not imaginations. Le bien-aimé Paul vient m'expliquer. Beloved Paul comes to explain to me. Que le bœuf c'est le serviteur. That the oxen are servants. Donc Dieu a envoyé premièrement. God sent first of all Elijah, Moïse, Moses, Josué, Joshua, tous ces gens-là qu'il envoyait, all those people he was sent, c'était de bœufs qui devaient les transporter. Those were oxen that had to mais carry derrière Esaïe, but behind Elijah, il y a un Dieu qui est pour rien. Was God. Derrière Élisée, behind Elisha, Dieu était toujours derrière le bœuf. God was behind the oxen. Voilà pourquoi Esaü, reason why Esau, quand il a vu le troupeau, when he saw the flock, il dit, ça c'est quoi? He says, what is c'est this? Le troupeau. What qui a envoyé Jacob? Who said, je n'ai pas besoin no, de ça. Need, c'est quoi? What is this? Troupeau. Qui a envoyé flock, Jacob? Said, il n'a pas Jacob, besoin de no, ça. I don't need. Mais il voulait seulement Jacob. But Esau wanted only il a voulu ni sacrifice, meaning he wanted no, ni holocauste, no ni offrande. No offering. Mais Dieu a voulu m'entendre. Dieu n'avait pas besoin de tous ces prophètes-là pour God me délivrer. Mais il avait besoin du Seigneur Jésus-Christ. But God only wanted the Lord Jesus et derrière ces prophètes, and behind those se cachait Christ. Was Christ hidden. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. May the Lord bless you. Derrière ces prophètes, behind those se cachait Christ. Christ was mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, now when the Lord Jesus Christ came, il est sorti derrière qui? He came behind who? Derrière tous ces prophètes. He came behind all those quand prophets. Il sort, when he comes out, il dit ceci, he says, l'Esprit du Seigneur est sur moi. The Spirit of the Lord is upon me. C'est-à-dire que quand Saul sortait, when Saul was coming out, quand il sort, when he comes out, il ne peut pas aller délivrer seul. He cannot go to deliver alone. Parce que devant l'adversité, because in front of adversity, on a besoin seulement de l'huile pour délivrer. You only need to have oil to deliver. Voilà pourquoi l'Esprit de l'Éternel, reason why the Spirit of the Lord, saisit Saül, went to catch Saul. Lisons, lisons. Read it again. Pour que vous compreniez bien la pensée. For you to understand the thought. Le texte dit ceci. The scripture says this. Le texte dit ceci. The scripture says. 1 Samuel chapitre 11. First Samuel chapter 11. Verset 6. Verse 6.
Dès que Saul y entendit ces choses, when Saul heard this news, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Then the Spirit of God came upon et Saul. Sa colère s'enflamma fortement. And his anger was greatly aroused. Il prit une paire de bœufs. So he took a yoke of oxen. Combien de bœufs? How many? Combien de bœufs? How many? Deux bœufs. A yoke. Il prit une paire de bœufs, and he took a yoke of le coupa en morceaux, and cut in pieces, qu'il envoya par les messagers, and sent them through the territory of Israel by the hand of messengers. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre. I want God to give you understanding. Je le prends. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Said, may God give you intelligence. Les messagers qui sont venus, the messengers that came, who came, apporté le message de la mort, came with message of death. Mais Saül, but the soul, saisi par l'esprit, seized by the spirit, il prend les deux bœufs, he takes the two oxen, il le coupe en morceaux, cut in pieces. On pouvait faire un petit calcul. We could do a bit of math. Israël, c'est combien de tribus? Israel is how many tribes? Israël, c'est combien de tribus? How many tribes makes Israel? 12 tribus. 12. Quand on coupe deux morceaux. Deux bœufs dans 12 morceaux. Now when you take two oxen and you cut in 12 pieces, ça dit que un bœuf, meaning for each ox, peut servir à combien de tribus? It's going to serve how many tribes? Et l'autre bœuf peut servir à combien? The other ox, how many? Ça dit que si vous prenez les deux bœufs, meaning if you take the two oxen, c'est que dans les bœufs il y a deux six. Meaning in those of two, il y a six, two, six. Six, six and six. Maintenant quand Christ prend le pain, now when Christ takes the bread, il a fait ça comment, Serge? How did he do it, bro? Il prend le pain. He took the bread. Il pouvait donner comme ça. He could simply give it. Ah, voilà mon tonzo, comme il s'appelle. Now the person who takes it becomes God. Mais il fait ça. But this is what il he does. Il divise en quoi? He split it. Ah, il donne ça combien? And he gives 12. 12. C'est-à-dire que 1 meaning 1 devient 12 becomes 2 mais dans 6. But in becomes 12 but in 6. Je vais donner le pourquoi. I'm going to give an explanation. Je reprends. I'm going to repeat. C'est-à-dire que Jésus-Christ prend un seul pain. Jesus takes one loaf of bread. Au devant de lui, il y a combien? And in front of him, how many loaves are? 12. Il divise ça en deux. Now he divides the bread in two. Là, il représente la table de paix de proposition. Now he represents the table of showbread. Oui, il y avait 12 pains. 12 pains, when there were 12 mais partagés bread, en 6. But the split in 6, je peux monter un degré. I can even ascend. Voilà pourquoi quand le sacrificateur venait, when the priest was coming, il devait mettre le parfum sur le pain. He had to put, I mean, incense on the bread. Parce que les deux piles de pain représentaient les deux narines de Dieu. Because those are two pots of bread are the two nostrils of God. Parce que Lévi mettra le parfum dans les narines de Dieu. Because Lévi is going to put perfume mais in the nostrils. Quand le sacrificateur verse le parfum, six. When the priest pour perfume or incense, c'est que c'était le narine de Dieu parce que le tabernacle c'était le corps de Dieu composé de parties. Of God, because the tabernacle of God is God the split in parts. You lost. Je descends pour dire ceci. I'm going down to say this. Saul a zui mombe mi balé. Saul took two oxen. A kati yango. And cut it in pieces. 12 parties. And he sent to 12 tribes. Expliquons ça terre à terre. Let us explain it very simply. Terre à terre. Let's go very low. Le bela. Those oxen. Si tu es Israël. If you are Israel. Une place spéciale pour faire un mois. This is where we really separate ourselves. Je suis assemblé de saints. I am assembly of saints. Quoi you enter. To look at them, ya mombe. We look for a piece of exactly. That the soul sent. We confirm. Yoni, assemblé de saints. Oh no, assembly of saints. Sommes en de qu'on a vu ce cas. You are our brother. La qui a vu ce temps ya mombe parce que Saul a quoi délivré de ce cas carboni ba mombe ou anache. Si vous puis sortir de ce cas. Nous sommes son peuple parce que une partie de lui se trouve dans nous. We believe that we are his people because a piece of him is found within us. Les mamans ne m'ont pas compris. The mothers did not understand. Je descends maintenant pour dire ceci. I'm going down to say. Quand Jésus-Christ est venu, when Jesus Christ came, c'est pour répondre au cri du peuple. Is to answer to the cries of the people. Qu'est-ce que Saul a fait? And what Saul did? L'esprit de l'Éternel saisit sa
Esaü. The Bible says that the spirit of the Lord came upon Saul. Et par la colère, and his anger, il déchire le bœuf. Was greatly aroused. Mais Jésus n'a pas déchiré le bœuf. But Jesus did not. Parce que lui-même était le bœuf. Because himself was the ox. Et il n'était pas seulement un seul bœuf. He was not only one ox. Il était deux bœufs qui marchaient. He was two oxen walking. Voilà pourquoi. Reason why. Il dit ceci. He says. Le salaire d'une journée, the wages of one day, c'est un denier. Is one day. Mais quand le Samaritain ramasse cet homme, but when the Samaritan picked up the man who was beaten, he gives two denarii. C'est-à-dire que Jésus Christ, meaning Jesus Christ, faisait le travail de deux. Was doing the work of two. Il était à la fois. He was at the same time. Moïse, Moses, Jésus. And Jesus. Il était à la fois. He was at the same time. Fils. And son. Et il a travaillé. Double. Double. You still don't understand. I'm going to repeat. Saul David. Saul looked at the David to kill him. Go and find for me 100 foreskins. 100 foreskins. Is the love of who? Is the love of who? Is the love of who? De David. Of David. Sacrifice the David. The 100 foreskins that Saul asked. It was the love of David. He knew he's going David. To kill David. David. To kill David. Look at that purpose. Go and find for me 100 foreskins. And those of 100 foreskins are the life is equal to the life of David. Have you saw you some sur moi? And he says that if you find for me 100 foreskins of the Philistine, then I give you the wife. Via David de Romy Vianan. Meaning the life of David becomes the life of who? La vie de David, la vie de qui? The love of David, de la femme. The love of whom? Of donc, the wife. David doit devenir comme la femme. David has to become. Afin de racheter la femme. For him to redeem the wife. Mais quand David part, but when David goes, il vient avec 200 prêtres. He comes back with 200 foreskins. Donc c'est pas seulement un seul David. Meaning it's not only one David. There are two. C'est pas seulement deux David. It's not only two. Il y a deux femmes. There are two wives. Dans un seul sacrifice. In one sacrifice. Voilà pourquoi Moïse dit. Reason why Moses says. If you meet with someone's child and you go to with her, because she's a virgin, you're going to pay 50 shekels. Even if you don't get married, you need to pay the father of the child. Papa if the father accepts, and he gives you the wife, papa the child, if the father refuses, he gives his donc, wife, 50 the child. The 50 sheep on you give for the child to Nalibala who eat as a pandemi because the father no person you also give for the Nalibala day for papa because the father yes Jesus died for the Jesus died he gave his life to save us the church God. We wait for papa pandemi because the father Israel if you catch that, et si vous avez compris, if you understood, en réalité, in reality, Jésus Christ, Jesus Christ, so if Saul gave a mombe, he gave a if Saul gave oxen, he gave oxen, he gave sa vie, he gave his life. Est-ce que vous demandez de servir le monde romain et son sang? Are you going to accept that I tell you how they killed Jesus? Qui a tué Jésus? Who killed Jesus? Saul. So romp. De l'esprit. Filled with the spirit. Il coupa le bœuf. He cut in pieces. C'est pas la colère. It was anger. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the il world. A donné son fils à la croix. That he gave his son quand Jésus meurt à la croix, Jesus c'est la colère de l'éternel. That is the anger qui of the Lord. Tombait sur lui. And fell upon mais dans cette colère, il y avait la délivrance. But in that anger, there was deliverance. Si je peux monter quelques degrés, if I can ascend some je degrees, dirais que I will say that les parents de Samson parent ne comprenaient pas not que quand Samson aimait la femme philistine, when Samson loved the c'était woman, pour se venger. It was for him to c'est-à-dire qu'à cet amour, in that love, il y avait la vengeance. There was à la vengeance, vengeance, il y avait l'amour. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour proclamer l'année de la grâce, proclamer le jour de la vengeance. And a day of vengeance. Moi,
je ne serai pas vengé. Moi, je ne passerai pas sous la colère de l'Éternel. Parce que ma colère qui devait tomber sur moi est tombée sur lui-même à la croix de Golgotha. Et le message qui est venu aujourd'hui, c'est pour que je comprenne l'œuvre de la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Mais Saül, n'a-t-il qu'un enseignement? Maintenant Saül, il y avait des flèches. Il y avait des armes. There were weapons. Mais qui l'a indiqué? But who showed him? Prenez le bœuf. To take oxen. Quand il fut saisi par l'esprit. When the spirit of the Lord came upon him. Vendez-vous. Beloved. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit. When someone is filled with the spirit. Tu sortiras par tes expériences. You're going to come out of your experience. Dieu peut t'indiquer la délivrance là où il n'y a pas même la pensée de la délivrance. God is going to show you deliverance where you do not even have the thought of deliverance. Je veux voir Dieu me prendre. I want to see God en Afrique du Sud. In South Africa. M'amener jusqu'à Bukavu. And take me to Bukavu. Pour accomplir ce plan dans ma vie. For him to fulfill his je veux Dieu qu'il me prenne en Afrique du Sud. I want God to take me qu'il m'amène même à Idiofa. Pour accomplir ce qu'il a promis pour ma vie. Nous passons notre temps parce que nous vivons dans nos raisonnements. Tout le monde ne restera pas au Canada. Tout le monde ne restera pas aux États-Unis. Tout le monde ne restera pas à Paris. Soyez remplis de l'esprit. Dieu t'indiquera les lieux de ta bénédiction. Soyez remplis de l'esprit. Dieu t'emmènera là où il veut t'emmener. Vous m'entendez? Ça sera plus difficile. It's not longer gonna be difficult. Quand on est rempli de l'esprit, when you are filled with the spirit, on suit la direction divine. You're going to follow God's direction. Quand on est rempli de l'esprit, when you are filled with the on spirit, marche pour ses expériences. You walk not according to your experience. Quand on est rempli de l'esprit, when you are filled with Dieu the spirit, peut te prendre aux États-Unis d'Amérique. God can take you out of the United States. T'amener jusqu'à Idiofa. And bring you to Africa. Pour t'élever. To uplift you. Nous échouons pourquoi? Why are we failing? Nous croyons que de nous-mêmes on peut délivrer. We think that on our own we can deliver. Non, tout ne sera pas. We can be successful. No, you je suis venu vous enseigner. I came to teach pour vous faire comprendre. To make you understand. Sortons dans nos expériences. Let us come out of our experiences. On a besoin du Saint-Esprit. We need the Holy Spirit. Pour que nous orientons quoi faire. To give us guidance on what to oh, do. J'aime Samson. I love Samson. J'aime Samson. I love Samson. Il était fort. You are strong. Il frappait. You are striking. Mais quand il a vu les Philistins. L'esprit l'a saisi. The spirit came upon devant la mâchoire d'âne. And he took the jaw of the donkey. Cette fois-là, ce n'est plus le bœuf. It's no longer the c'est soul. La mâchoire d'âne. It's not the jaw of the donkey. Anakendab. Where the donkey went? Anakendab. Where was the donkey? A kufa atika na mâchoire. He died and only left the jaw. Na Golgotha kufa matikira ni son mâchoire. On Golgotha he died and only left the jaw. C'est comme Nzambe ko. It's like God. Au moment où tu attends. You see, it's like Adam, when God came with the skin of the animal, he did not ask where the animal, meaning God himself ate the animal, and he only gave him the skin. So kufa into sele matanga ni amanza meyondia. Nous avons besoin d'un poisson pour couvrir nos besoins de nourriture. On a besoin de l'enseignement. On n'a pas besoin de croire de Jésus. On n'a pas besoin de chaque vendredi venir pleurer Jésus. Zambenda liaye. On a besoin de ce poisson. Tu as besoin de l'esprit. And only brought us the skin. Tu as besoin de l'esprit. Tu as besoin de l'esprit. You need the spirit. Tu sais, dans nos églises aujourd'hui, trop de questions. Si tu vois l'église, trop de questions. Hein? Bon, bon, bon. Hein? Ministre, you know, a church today, so many questions. When you see a church, so many questions. Why this? How ah, je come? Prêche. I preach. Dr. Jason vient. Teacher comes. Nous avons 50 questions. C'est we la chair. 50 questions. That's the flesh. C'est la chair. That's the flesh. Et l'église est habituée comme ça. And nous, the church is used to that. Vous irez en enfer. You parce que les choses de Dieu restent dans la tête, non dans le cœur. The things of God remains in your head, not in the heart. Bah débat pour ça, ma professeur, on a la faculté. Ah, les amis, quand on va débattre, ah, les amis, on va comprendre les amis de l'intelligence dans le cœur. Quand il me dit, when he says, sors, marche dans l'eau, je ne poserai pas la question.
je marcherai parce qu'il m'a dit de marcher. Peu de miracles, few miracles, peu de puissance, few powers, peu de vies transformées. Little lives are transformed. Parce que les gens ne s'abandonnent pas au Saint-Esprit. Because people do not surrender. Je suis venu vous dire ce matin, I came to tell you this morning, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, c'est la promesse de ce temps. Is the promise of this time. La promesse de ce temps, the promise of this c'est time. Le baptême Malachie 4. It's not Malachi of chapter 4. C'est le baptême du Saint-Esprit. It's the baptism of the Holy Spirit. Frère Pierre a dit, Brother Peter said, repentez-vous. Repent. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Je crois au Saint-Esprit. Apostle Paul said, the promises is for you and your children and for those who are far off, the great number that God will call. I believe in the Holy Spirit. Mais bien aimé, beloved, on n'a pas besoin de comprendre Dieu dans la chair. Tu ne comprends pas. We don't need to understand God in the flesh. You're never going to understand. Bon, entre nous, qui est grand? Reason why the apostles had questions such as, hein? Between the two of us, who's great? Qui est grand? Who's great? Jésus répond. And Jesus answered. L'autre jour, il vient. Bon. Nous avons tout laissé. No, we left everything. Même ça, bah, toi, I said to people, so, nous avons mal en bon. If you want to have money, oh, nous avons un ministère. Do not look for money in the ministry. Otherwise, you're going to go astray. Ministère à parole. The ministry of the word. Et comme ça, bah, toi, riche. Does not make people wealthy. C'est un travail de sacrifice. It's a work of sacrifices. Marchandise. Because these followers are not your merchandise. Business. And the church is not a business. Salut des hommes. So, I mean, salvation of souls. Tu peux travailler ou quitter Menzamba foutu au dinotre. You can work and not reap anything, but God pays you in a different way. Sinon, tu feras l'église ton business comme les gens de Bitoulou. Otherwise, you're going to make the church a business like the surrounding churches. Pas seulement de Bitoulou. Not only surrounding churches. Quand j'ai parlé avec les pasteurs qui sont ici, when I spoke with the pastors who are here, ils n'ont pas besoin de toi. Ils disent que tu n'es pas de votre année. Oh, non, mais ils ne savent pas. Ils n'ont pas besoin d'entendre. Ils disent que c'est aussi qu'un enveloppe européen ça. Moi aussi adopte. Moi aussi adopte. Dans l'assemblée des saints, ce sont des commerçants. Ils disent que they take the money. They go give the wife of the teacher. Those are business. Nous sommes assemblés. How can that happen? And you say, no, we are assembly of saints. Assemblée des saints. Assembly of saints. Personne n'a zanté. No, when the prophet is not here, they give the money. Vous they don't give Mama Ruth. No. How an assembly of saints ça peut être dirigé comme ça. Can be guided or led in that manner? And the teachers say, no, God be with you. Be also with you. Oh, peace, peace. Ça, ce n'est pas l'église. No, that's not l'assemblée the church. Saint, assembly of saints. Ce n'est pas le lieu de business. Mais on a besoin du Saint-Esprit. Je pleure dans mon cœur. Trop de combats parmi nous aujourd'hui. So many battles among trop us de débats parmi nous aujourd'hui. So many debates among us today. Trop de haine. So many hatred. Parce que le Saint-Esprit n'est pas recherché dans nos cœurs. Because the Holy Spirit is not sought out in our hearts. Je peux m'arrêter là-bas. I can stop here. Vrai. I want to tell you the truth. Quand Jésus Christ est ressuscité, when Jesus Christ resurrected, les apôtres reviennent. The apostles came. Bon maître, maître, master, dis-nous un peu, dis-nous. Say to us, no, say to us. C'est facile que tu vas rétablir le royaume. Is it in this time that you're going to restore the kingdom? Don't you cabager? No, let's leave those questions. Tu sois sur tout le monde dans la vision, hein? We saw Jesus in visions. Mais ma Pierre va tambouler à Yeshua. But the Peter and the others walked. Ils ont vu Jesus. Lazare ressuscité. They saw Lazarus resurrected. Mais ils comprenaient rien. Understood nothing. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. They saw Jesus resurrecting the dead. Multiplier le pain. Multiplying bread. Mais ils comprenaient rien. But yet they understood nothing. Reason why after Jesus died, each one went back to his fishing. He had to follow them again in the fishing. Let's no one boast in front of God. Even when you're preaching, although
Although you be a blessed, it's not by yourself. Not your effort. It's by the Spirit. Il ressuscite. He resurrects. Il revient encore. He comes again. Pour elle, c'est maintenant ce temps. Is it in this time? Pendant le discours, on a bien. No, you need to look carefully on that speech. Pour moi, je vous tout dans mon livre, mon sang, tout est. Attends la Bible. Asa zéro. You're going to understand that someone who's not filled with the Holy Spirit, though reads the Bible, is nothing. Acte 1:4, Jésus dit. Acte 1:4, Jesus says. Il ne faut pas sortir de Jérusalem. Do not go yet out of Jerusalem. Bien que je vous ai enseigné. Though I taught you. Un professeur comme Jésus, non. I've not seen a teacher like Jesus. 3 ans. 3 years. Qui a parlé comme lui? Who has spoken like him? Il était bourré de connaissances. He was filled with knowledge. Ne sortez pas. He said, no, do not come out yet. Ne sortez pas. Do not come out yet. Il faut attendre. You need to wait. Ce que le Père vous a promis. What the Father promised you. Verset 5. Verse 5. C'est dans ce temps ici que tu vas rétablir. Oh, is it in this time that you're going to be sous? Mais on nous a posé question à vous sous. You're asking questions about something else. Un homme sans le Saint-Esprit. Even without the Holy Spirit. Ne comprendra pas Dieu. Will not understand God. Faut pas prêcher. Hein? Do not preach. Attendez. Wait. La promesse. Wait for the promise. Bon, c'est dans ce temps. Is it in this time? Tu vas rétablir le. That you're going to restore. Non, ce n'est pas à vous de connaître. So it's not up to you. Mais to know. Vous. But you. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Commencez par Jérusalem. Samarie. Jésus est le Seigneur de la terre. Pourquoi il dit comme ça? Why is it il le ramène au Saint-Esprit. He's bringing them back to the parce que sans le Saint-Esprit, il y aurait toujours des questions. Entre lui et moi, qui est plus grand? Entre lui et moi, qui prêche bien? Entre moi et lui, qui a beaucoup de connaissances? Entre moi et lui, qui non! Quand les gens se posent de telles questions, ils sont loin de Dieu. They are far from God. Je peux être un bon prédicateur, preacher, mais dans lequel rien ne produit. But in the heart of people, j'aime quelqu'un qui peut m'exhorter 5 minutes et je sens Dieu dans mon cœur. Je dis, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la flamme du Saint-Esprit. Je veux que les gens prient dans l'Esprit. Vous allez vaincre l'adversité. Then you're going to overcome adversity. Si Dieu ouvrait vos yeux, if God can open your eyes, pour voir la puissance de la sorcellerie, to see the power la puissance of de magie, to see the power of magic, vous aurez besoin du Saint-Esprit. You're going to need the Holy Spirit. Beaucoup de choses qui ne marchent pas dans nos vies, so many things which do not work in our lives, parce que nous comptons sur nos propres mérites. Because we count on our merits. Tu n'es rien. You are nothing. Mais tu as besoin de ça. But you need the Holy Spirit. Voilà pourquoi il dit à Zacharie. Reason why he says to Zacharie. Zacharie prophétise ceci. Zacharie prophesied. Zacharie 4:7. Zacharie 4:7. Josué. Joshua. Il dit ceci. He says this. Zorobabel. Zorobabel. Ce n'est pas par ta force. It's not by your strength. Ni par ta puissance. It's not by your power. Mais c'est par mon esprit. But it's by my spirit, says que tu vas réaliser ces choses. That you're going to realize. Mais bien, on a besoin. On a besoin. Beloved, we need. Prophète, j'avais déjà parlé du Saint-Esprit. Prophet, you have spoken of the Holy Spirit. Comment avoir besoin? How to need? Vous voyez bien seulement qui est. You see, Jesus said, Bolongwate. Do not go. Attendez. Yet. Wait. Je ne parle pas du Saint-Esprit de Kinois, Saint-Esprit de Congolais. Of the Holy Spirit made in Congo. No. Je parle du Saint-Esprit de la Bible. I'm speaking of the Holy Spirit of the Bible. Qui a donné Pierre la possibilité de supporter Jean? Who gave Peter the capacity to bear John. Je ne peux pas être en paix avec l'apôtre Prince sans le Saint-Esprit parce que c'est un homme comme moi. Il a ses défauts, moi aussi j'ai mes défauts. Mais si sans le Saint-Esprit, on fera des réunions aujourd'hui, réunions demain, réunions le lendemain. Donc quand tu avais donné le communiqué là, tu m'avais touché. Quand tu avais prêché là, tu avais. Quand tu avais. C'est ça toujours la chair. Bon, je vais voir un peu clair. Hein, Dr. Jason, quand tu as donné le communiqué, bon, je vais voir un peu clair. Apôtre Prince, quand tu as prêché, c'est la chair. Mais le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Because without the Holy Spirit, I cannot obey my brother. I'm going to find excuses. I'm always going to find the fault because he's a man like me. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit me donne la possibilité gives me the possibility de vaincre les adversaires. To overcome adversity. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Vous supportez le Dieu en avant? Can you pay my teaching? Vous supportez en moi? Can you pay my teaching? Adversaire, le bosseur dans son tonneau. Because the first enemy is your own flesh. Pour l'homme, tu as besoin du Saint-Esprit. For you to overcome your flesh, you need the Holy Spirit. Je veux faire du bien.
I want to do good. Le mal est attaché à moi. But evil is attached to me. Bien que je veux faire. And the good I want to do. Je manque la possibilité. Yet I couldn't. Je sens dans mes membres. And I feel in my members. Une loi qui lutte contre la loi de mon âme. A law that will wrestle against the law of my understanding. Qui me séparera? Who can separate me? Avant que Paul arrive là-bas, who can deliver me? Il dit, before Paul qui me délivrera de ce corps? He says, who can deliver me from this body? Mais il avance et dit, but then he continues and il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont en Christ. There is no more condemnation for those who are in Christ. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, those who are led by the sont of fils God, de Dieu. Are sons of God. Est-ce que je m'adresse aux gens qui ont le Saint-Esprit ici? Am I speaking to people who have the Holy Spirit here? Celui qui a le Saint-Esprit peut pardonner comme Dieu. The one who has the Holy Spirit can forgive like God. Il y a le fruit de l'Esprit qui est la vie de Dieu dans l'homme. We have the fruit of the Spirit which is the love of God in men. Je peux aimer comme Dieu. I can love je peux God. Supporter comme Dieu. I can bear my brother like je God. Peux pardonner comme Dieu. I can forgive like God. Et je veux vaincre les ennemis comme Dieu. And I can overcome the enemies like God. Vous voyez bien, surtout do you know how Jesus was filled with the Holy Spirit? Il a répété ça. He repeated the same thing. Comment les apôtres attendaient le Saint-Esprit? How the Holy Spirit were waiting for the Holy Spirit? Ils persévéraient. They were persevering. Were they not people having jobs among them? Moi, j'étais étonné. Teacher, I was astonished. Supportez-moi, je n'aime pas parler de mes voyages. Please, I don't like to speak about my journeys. Je suis arrivé dans une ville aux États-Unis d'Amérique. J'ai vu les témoins de Jéhovah. I went to a city and I saw Jehovah Witnesses. Ma télé mi. They stood. Quelle ville? New York. In New York. They are there sharing pamphlets. Yeah. Said what? Bison à Cape Town. In Cape Town. I'm busy. Busy. No, busy. Time to share things of God because it's busy. Na New York na kuti matemoni de desert. I went to New York and I found the job. Quel jugement! What a judgment! Pourquoi tu vas tomber dans ma raisonnement? Why because people are filled with food. How am I gonna eat? Na afute la bara na mande nini? How am I gonna pay school fees? Ma sorti un raisonnement et changer ma vie. Since you started to think about it, what has changed? Est-ce qu'on reçoit papier au talent de niveau commun de l'eau? Yona. Can you do a study and understand how you have reached so far with all those kids? You are astonished one day a client comes. You think that you know how to solve more than others. There is a God who knows. He is in control of everything. The reason why I said to preachers, even though the offering is 200, do not be upset. So bad to the one who hires him. For he knows how he's going to pay you if you trust him. Because you can go and sit in the office and someone comes and gives you 1,000. That's the same God who pays you. Alors nous avons besoin therefore we need de demeurer dans la présence du Seigneur to abide in the presence of the Lord prix, and pay the price. I wanted to preach you something but because you could not understand the lens. Saul, Saul was behind the luggage. He came out king. He came again behind the ox and he came out to deliver. I wanted to explain it in Jesus. How he was hidden in the servant and how he is hidden in the servants. Now, where do you want to deliver? If you want to be seen, start in the secret place. We lay hands on a brother, and he was mostly with the Mama Ruth. Il a fait dans l'église, peut-être me suis ici. Maybe he's following me. Il a fait dans l'église. Nonande, tu le veux salir combien d'années? From 92 until now. Nonande, tu le veux salir combien d'années? 32. 31. Il est toujours disciple. He's still a disciple. Quand on a imposé les mains. When they lay hands on him. Moi, c'est ma papa. Bénédiction, ma casse pour vous tirer ma bonne. Toi, Nina. 31 années. Aou, mais les migrants, ils ont dit, comment? Ministère là pour vous mais là pour mon tour à 38 ans la piscine à Bethesda. Allez pas à la paralysie.
The wife of that man they lay hands on called the prophet to say, no, when he did not lay the hands on him after 51 years, he had a heart attack. Oh, he had almost a heart attack. And then I said, what about the man in the pool of Bethesda? He spent the 38. He did not want to remain paralyzed. And then they called me, they said, oh, brother here, we want to lay hands on him. I said, no, if you lay hands on him, remain with him because to us he's still a brother. And the brother said to Mama Ruth, most of the Catholic era, if I was in Catholic Church, I'm already the chief of the parish. We only want to be seen, but to sit behind luggages we don't lack. We want to be known. They sprout the same day, but another takes time before it sprouts. Do not envy your brother. Do not hate your brother. Because he is time to step out. Because when you can go up deeply, the winds blow and fall, but you are going slowly and rapidly. Ayons la soif, s'il vous plaît. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai trop de questions que je me suis posées. So many questions that sans réponse. Without answers. La diable a cause à haute. The devil may not lie to you. You cannot overcome. Tu ne sauras rien. Abandonne-toi entre les mains du Saint-Esprit. Il te donnera la force. Tu dresses une table devant moi. In front of me, tu induis ma tête. Alléluia. Et après cela, David dit quoi? David dit quoi? Après cela, il dit, after that, David says, le bonheur surely et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est qu'il a vaincu les adversaires et il est entré dans la maison de l'Éternel. Que ce message te donne la force de vaincre les adversaires. Que ce message te donne la force de vaincre les adversaires de ta vie. Allez, va. Traversez les adversaires. Quels que soient les adversaires de la nuit, du jour, soyez des victorieux. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous accorde la force d'avancer, d'accepter toutes les étapes voulues par Dieu. Là, tu seras plus fort. Nous allons prier que Dieu puisse oindre notre tête. Remplis de raisonnement. Remplis de pensées négatives. Que l'huile du Saint-Esprit soit sur nos têtes pour brûler. Be upon our heads, puis nous de l'ennemi, afin que nous le vivions. For us to be winners. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Levez-vous s'il vous plaît. Please stand up. Nous voulons prier. We want to pray. Et demandons au Seigneur la force. And to ask God for strength. D'être rempli par l'Esprit. To be filled with the Spirit. Et de vaincre la puissance de l'ennemi. And to overcome the power of the enemy. Prions au nom de Jésus Christ. Let us pray in the name of the Lord Jesus Christ. Heavenly Father, I know that your mercies endure forever. I know, Heavenly Father, je veux que tu that pries. Your mercies, je t'attends pas. Almighty God, are innumerable, Almighty God. So this morning, O Father, I come again in your presence to ask for strength. I come again this morning, Heavenly Father, to ask, Heavenly Father, of you to fill me with your power, Almighty God. For without you, I'm nothing. Isn't it you who said that without me, you can do nothing? Heavenly Father, based on your word, O Father, that I come, Heavenly Father, this morning to pray and to ask of you, O Father, to fill me with your spirit. For Almighty God, I am weak, but you are strong.
Heavenly Father, the scripture says that the holy virgins, Almighty God, are a feeble folk, O Father, who finds their dwelling among the clefts of the rock. You are the rock, O Father, my shelter, my stronghold, Heavenly Father. In you I found the strength. In you, Heavenly Father, my enemies can do nothing against me. So I come to surrender my life. I come, Almighty God, to surrender, Heavenly Father, my life. I pray, O Father, that you may fill me, Lord Jesus Christ. Indeed, I was afar off, but you said, Almighty God, by the mouth of Peter, that these promises was not only for the house of Israel, not for their children only, but also for those who are afar off. I am of those, Heavenly Father, who were not numbered among the Israelites. I am of those, Heavenly Father, that were alienated, O Father, that were foreigners to the house of Israel. But it pleased your Father, the same way, O Father, the widow went to look for vessels in the, O Father, Lord, in the house of Almighty God, surrounding a place. So, Heavenly Father, you came, O Father. You sought me, O Almighty God. You called me into your presence, that I may be yours, that I may serve you, Almighty God, that I may be son of God. But that's only possible if I'm filled with the Holy Spirit. So I surrender. So I open my life, O Father, Lord. So I open my heart, Heavenly Father. And I pray, O Father, Lord, fill me with your Spirit. Fill me, Almighty God. I want to be filled. I want to be filled. I want to be filled. I want to be filled, Almighty God. I want to be filled, Almighty God. No more, Father, shall I rely on my experience. No more, Father, shall I rely on my past victory. No more, Father, shall I rely on my past experience, O Father. But to commit, O Father, my life unto you, Lord Jesus Christ. To commit, O Father, my future, my tomorrow unto you, Father. Have your Lord Jesus. Je sais que tu as des questions. I know that you have answers. Questions. Je sais que tu as des questions dans ta vie. I know that you have questions in your life. Tu vas prier pour tes pensées. You're going to pray for your thoughts. Tu vas prier pour tes pensées. You're going to pray for your thoughts. Parce que quand les pensées ne sont pas délivrées, because when your thoughts are not delivered, le Saint-Esprit ne peut pas te remplir. The Holy Spirit cannot fill you. Tu connais les pensées négatives. You know the negative thoughts qui combattent ta vie. That fight against your life. Tu es rempli de déceptions. You are filled with disappointment. Tu es rempli de ce que les gens parlent de toi. You are filled with so many things people speak about. Tu vis dans des déceptions. You live in disappointment. Prie le Seigneur. Pray to God. Seigneur, libère mes pensées. Lord, set free. Libère mes pensées. Lord, set free. Je vis dans la peur. I have fear. Je vis dans la peur. I live in fear. Libère mes pensées. Set free my thoughts. Je veux être libre. I want to be free. Je veux être libre. I want to be free. Remplis mon cœur. Fill my heart. Remplis mes pensées. Fill my thoughts. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. In the name of the Lord Jesus Christ, let us pray the Lord. Heavenly Father, you know me, Heavenly Father, more than anyone else, O Father. You know me better than myself, Heavenly Father. There's only saying, where can I hide from God, O Father? At this point, Heavenly Father, there is nothing which I can hide. I can pretend before men. I can pretend, Heavenly Father, before God, who are like me, Father. But before you, mighty God, even darkness is just light, O Father. So I pray, mighty God, you know my thoughts. You know my anxieties, O Father. But you said that we should not be anxious, O Father God. But to commit our guests unto you. So I come, O Father, this morning to pray unto you, Lord Jesus Christ. Set free my thoughts, O Father. Dans le souci, ma côte. Dans la difficulté, ma côte. Dans la colère, ma côte. Dans la déception, ma côte. Dans la colère, ma côte. Le Seigneur. About my future. I'm so concerned about God. About my life. I'm so concerned about my family. I'm so concerned about my household, Almighty God. And as a result, I let peace. As a result, I am fearful, Almighty God. And in such a state, Almighty God, I cannot be filled with the Holy Spirit. So I come unto you, Lord Jesus Christ, that you may set me free, Almighty God. That you may set me free, Father, I pray. Set me free, Almighty God. Deliver me, Almighty God, from all these thoughts, O Father, that makes me fearful, Almighty God. Deliver me, mighty God, from all these negative thoughts, O Father, Lord. That hinders, O Father, your hands to act in my life. For the Bible says, O Almighty God, the one who, O Father, who has but has doubt, O Almighty God, shall not, O Almighty God, accept to receive something from God. Heavenly Father, Lord, I do not want to be in such a state, O
Father. Where I have doubt in my heart, where I have doubt in my heart, oh Father. And those doubts, oh my God, are the result of bad thoughts. Those doubts, oh Father, are the result, oh my God, of, oh my God, those negative thoughts in me. That, oh my God, questions, oh Father, the existence of God. That questions in me, oh my God, the hand of God. That questions the love of God for me. And I do not want to continue, Father, to live in such a condition. I do not want to continue, oh Father, to live in such a state, oh Father. So I pray, Lord, deliver me. Quand le Seigneur envoie un message comme ça, when God sends such message, le diable vient aussi pour vous distraire. The enemy also comes with distraction. Tu dois profiter derrière ce message. You need to take benefit of this. Expérimenter message. Dieu ta vie. To experience God in your life. Dieu veut que tu sois vide. God wants you to be empty. Vide de soucis. Empty, void of worry. Vide de l'inquiétude. Empty of all the anxiety. Évite la paresse. Refuse laziness. Tu vas prier selon ce que Dieu a parlé dans ton cœur. You're going to pray according to what God has spoken in your heart. Tu vas avoir soif de l'onction d'huile sur ta tête. Because you must be thirsty for the anointing of God pour upon you. Pour vaincre tes faiblesses. To overcome your weakness. Pour vaincre tes ennemis. To overcome your enemies. Je veux que tu pries vraiment dans ton cœur. I really want you to pray. Prends une position qui te sera confortable pour la prière. Au nom de Jésus. Take a good position that to be comfortable for you to pray. And in the name of Jesus Christ, let us pray the Lord. Heavenly Father. Heavenly Father. It is written that some put their trust in horses. And some put their trust in chariots, Heavenly Father. Heavenly Father, but we put our trust in you. But I want this to not be simply mere words, Almighty God, only coming out of my lips, but in my heart, I do not put my trust in you. Only simple words, Almighty God, but in my heart, Heavenly Father, I think of something else. So I come unto you, O Lord Jesus Christ. Heavenly Father, set me free. Vision nocturne, tout ce qui combat ta vie, ta santé, la peur, le doute, l'inquiétude. Allez, chassez au nom de Jésus. Allons-y. Every Father, in the name of Jesus Christ, I cast out, I rebuke out of my mind, I rebuke out of my life, every Father, negative thoughts, every Father. To go out in the name of Jesus Christ. Whatever the enemy comes to sow into my life, my dreams, oh my God.
You know that Almighty God to mislead my life. You know that Almighty God to bring the Almighty God confusion to my life. I cast it out. I cast it out. I cast it out. In the name of Jesus Christ. Heavenly Father, whatever the enemy brings, Almighty God, as the powers of seduction, as power, Almighty God, to try, Almighty God, to make me make smile, to try, Almighty God, to lead me astray, I cast it out, I cast it out, I cast it out. In the name of Jesus Christ, whatever fear the enemy brings in my mind, whatever fear the enemy brings, Almighty God, according to circumstances that happens in my life, that happens to my family members, I cast out every type of fear, Almighty God, that fight against my faith. I cast it out in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. The Bible says, they shall come in one way, but your spirit will scatter them in seven. Know that I rebuke every power of drought. I cast out, Almighty God, every power of sicknesses. Oh, Father Lord, that fight against my life, I fight against all. I cast out in the name of Jesus Christ. Whatever reality of God, that Almighty God, bring your prayer in my life that comes from town to town to my family members. I cast it out. I refuse it, Almighty God. In the name of Jesus Christ. In the mighty 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 name of Jesus Christ. I refuse to be prey of the enemy. I refuse, Almighty God, to be prey of the wicked one. In the name of Jesus Christ. Whatever power we strong, I cast out. In the name of Jesus Christ. Whatever power, every part of we strong, fight in my family member, I cast out. In the name of Jesus Christ. Every part, powers of cast out of families of my children against my children. Oh, Bamba is so soon. Tell me. Oh,
Je prie aussi pour les bien-aimés qui me suivent en ligne. I'm also praying for the beloved who are following us live. Je ne sais pas s'il y a quelle question dans ton cœur. I don't know what is the question you have in your heart. Je ne sais pas s'il y a quelle angoisse. I don't know what worries you have. Je suis venu te dire une seule parole. I came to tell you one single word. Dans leur détresse. In their distresses. Ils crièrent à l'Éternel. They cried out to the Lord. L'Éternel envoya sa parole. And the Lord sent forth his word. Et quand la parole est venue, and when the word came, elle a guéri. Il a retiré les gens de force. And pulled them out of the pit. Cette parole est capable. This word is capable. D'arriver là où tu es. To reach where you are. Jésus connaît tes faiblesses. Jesus knows your weaknesses. Il connaît là où tu manques le mot. He knows where you lack words. Jésus connaît là où tu peux pas faire quelque chose. Jesus knows where you cannot do. Connaît tes limites. He knows your limits. Il connaît tes faiblesses. He knows your weaknesses. C'est le meilleur ami. He is the best friend. Qui arrive là où l'homme ne peut pas arriver. Who reach where no man can reach. Qui te comprend là où ta femme ne peut pas comprendre. Who understands where your spouse cannot. Il est allé au-delà de l'amour fraternel de Marie et de Marthe pour suivre Lazare. He went beyond the love of Mary and Martha. Il nous a suivis jusqu'à la tombe. He followed us until the tomb. Jésus est là. Jesus is there. Il connaît que tu es faible. He knows that you are weak. Il a est-ce que tu manques les mots? He knows when you lack words. Il y a des fois tu pleures, personne ne te comprend. Sometimes you cry, no one understands. Ne dérange pas, Jésus est là. Do not worry, Jesus is here. Il y a des fois les gens attendent que ta mort pour contribuer alors que tu souffres. Some people are waiting for your death for them to bring contribution when you mais Jésus est là. But Jesus is here. Il y a des fois ton cœur est blessé à cause de mots que tu as connu dans ta vie. Sometimes your heart is wounded by the disappointment that you have encountered in your life. But Jesus ne pleure pas, il a dit. Do not cry, he said. Il ne te laissera pas orphelin. He shall not leave you as an orphan. Le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is here. C'est la promesse pour toi. That is the promise for you. Le Saint-Esprit, c'est ta promesse. The Holy Spirit is your promise. C'est ton droit. It's your right. C'est ton meilleur ami. He's your best friend. Il a dit, je suis avec toi jusqu'à la consommation du ciel. He says, I shall be with you until the end of ages. Là où tu manques la force de prier. When you lack strength to pray. Le Saint-Esprit connaît. The Lord knows. The Holy Spirit knows. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus Christ, à travers ton serviteur Jacob, through your servant Jacob, tu as fait cette déclaration. You made this declaration. Je ne peux pas marcher plus vite. I cannot walk faster. Parce que dans mon troupeau, because among my flocks, j'ai encore les faibles. I have weak. Seigneur, tu connais nos faiblesses. Lord, you know our weaknesses. Tu connais que parfois, you know sometimes, on crie. We cry. Mais dans nos cœurs, il y a des pleurs. But in our hearts, there are cries. Il y a des fois, nous chantons. Sometimes we sing. Mais quand nous rentrons dans nos cœurs, nous pleurons. But when we go back into our hearts, quand nous rentrons dans nos maisons, nous manquons quoi même. When we go back in our house, we lack even what to eat. Seigneur, tu sais que nous sommes faibles. Lord, you know that we are weak. Si tu as dit aux apôtres, if you say to the apostles, n'allez pas. Attendez le Saint-Esprit. Comme la plus forte raison, nous aujourd'hui. How much more us today? Nous sommes faibles, Jésus. We are weak, Jesus. Nous nous sentons encore faibles, Père. We still feel weak, Father. Nous nous sentons plus faibles ce matin. We feel very weak this et devant ta face, nous sommes rien. And in your face, we are nothing. Nos diplômes ne valent rien. Diplomas avance. Nos relations ne valent rien. Nos moyens ne font rien. Sale-toi, Jésus-Christ. Sale-toi, Jésus-Christ. Sale-toi, Jésus-Christ. Sale-toi, Jésus-Christ. Sale-toi, Jésus-Christ. Sale-toi, Jésus-Christ. Father. Accompagne ce peuple. Accompany these people. Accompagne tes serviteurs. Accompany your servants. Accompagne le plus faible parmi nous. Accompany the most weak among us. Donne-nous les mots. Give us words. Donne-nous les témoignages. Give us testimonies. Nous croyons que tu es derrière ta parole, because Jésus. Because we believe that you are behind your word, Jesus. Baptise ce peuple du Saint-Esprit. Baptize these people with the Holy Spirit. Ceux qui ont soif du Saint-Esprit, baptise-les. Those who are thirsty of the Holy Spirit, baptize. Ceux qui ont soif du Saint-Esprit, baptise-les. Those who are thirsty of the Holy Spirit, baptize. Ceux qui ont soif du Saint-Esprit,
Seigneur, baptise-les. Those who are thirsty of the Holy Spirit, baptize. Nous voulons vaincre devant les combats invisibles et visibles. We want to overcome before invisible and visible battles. Il y a des fois, Lord, sometimes nous prions, we pray, mais nous ne passons pas les mots à la place qu'il fallait. We don't place words accordingly. Il y a des fois nous jeûnons. Sometimes we fast. Mais pas comme tu le veux. But not as you want. Oui, nous sommes limités. Yes, we are limited. Mais nous voulons que le Saint-Esprit. But we want the Holy Spirit. Soit encore plus fort. To make us more stronger. Que celui qui est faible dise qu'il est fort. But the one who's weak say he's strong. Que celui qui est faible dise qu'il est fort. But the one who's weak say he's strong. Seigneur, nous croyons. Lord, we believe. Ta parole est vraie. Your word is true. Affermis ceux qui sont faibles. Strengthen those who are weak. Accorde la force encore d'avancer. Give us strength again to move on. Et nous t'acclamons pour dire que tu es le seul vrai Dieu. L'unique et véritable. Avant toi, il n'y a pas eu un Dieu. Hors de toi, il n'y aura pas un autre. Le seul vrai Dieu. Les rois passeront. Les rois passeront. La puissance tomberont. Tu restes le seul vrai Dieu. Jésus-Christ. Tu es le vrai Dieu. Avec jusqu'aujourd'hui. Que ce Dieu là marche avec toi. Là où il y a le combat, sois victorieux. Là où tu manques la force, qu'il soit ta force. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse.